Bonjour, aujourd'hui nous sommes dans le pays d'Ancenis pour évoquer une opération mise en place par les collectivités. Entre pages, l'entreprise parle aux jeunes des classes de 4e, 3e, option découverte professionnelle. Mais aussi quelques demandeurs d'emploi en stage vont à la découverte d'entreprises pendant une demi-journée. Et aujourd'hui, un exemple, les élèves découvrent une entreprise de métallurgie. Opération information, mais aussi opération séduction dans un secteur en recherche de main-d'œuvre. Il ne faut pas oublier une chose, hein, mesdemoiselles, messieurs, c'est que le travail, quel qu'il soit que vous allez prendre, vous allez y passer une bonne partie de votre vie dans votre travail. On est passé, aujourd'hui, par rapport au développement de nos clients, et bien on est passé. On est passé. Et le problème de la ressource humaine va devenir... très inquiétant. Trois secteurs, tôlerie fine, tôlerie industrielle et mécano-soudure. Est-ce une entreprise privée ? Oui. C'est mieux d'avoir un diplôme. C'est vrai que c'est mieux. Mais je dirais qu'aujourd'hui, tous les chefs d'entreprise ne parleront pas de la même façon. Donc moi, je regarde pas l'acquis du diplôme. Je regarde plutôt le parcours. Et surtout, je vous en ai parlé au départ, la motivation, comment elle a envie de s'intégrer dans l'entreprise, quel va être son investissement. Contre le travail, il y a intérêt qu'il vous plaise, et si vous êtes investi dans votre travail, vous allez d'abord vous enrichir, vous allez donc mieux communiquer avec vos collègues du travail, puis vous allez mieux vivre aussi, parce que aller à son travail, tête baisse, et puis pratiquement en marche arrière, ce n'est pas très intéressant. Donc pour en venir au diplôme, je ne cours pas après les diplômes. Voilà. Je cours plutôt vers une motivation et des acquis professionnels par rapport à ce qu'il a la personne à étudier. Cette année, 729 élèves et demandeurs d'emploi participent à ces visites pour découvrir et comprendre le fonctionnement d'une entreprise. À l'issue de ces visites, les élèves devront rendre un compte-rendu qui fera l'objet d'une exposition et d'une remise de prix. Donc on est dans un bureau où il y a plusieurs départements. Donc au fond, vous avez les gens qui imbriquent le laser qu'on va voir tout à l'heure. Donc c'est un autre travail, d'autres niveaux scolaires, d'accord ? La suite, la semaine prochaine, en compagnie des jeunes, nous visiterons les différents ateliers, la soudure, le pliage, la 3D, la modélisation. Et il sera question également du recrutement de la main-d'œuvre, des difficultés pour trouver du personnel et bien sûr des solutions futures qui s'imposent. Pour tout complément d'information sur l'entrepage, contactez la communauté de communes du pays d'Ancenis, COMPA, le téléphone 02 40 96 31 89. J'ai trouvé que votre visite était très très intéressante, avec votre point de vue sur les qualités, sur la motivation, sur tout ça. Et ça, c'est très... Ouais, j'ai travaillé. J'ai beaucoup aimé. Mais est-ce qu'il ne faut pas encore aller plus loin ? Éventuellement les accueillir en stage. Bon, ça, donc déjà, ça veut dire que si vous nous sollicitez, c'est qu'ils ont apprécié...